Bonjour à tous. Aujourd'hui, une pratique de Qigong qui va nous permettre de bien oxygéner nos cellules, de chanter, d'émettre des sons et donc d'avoir une action vibratoire sur tout notre corps. Et je vous rappelle que avant d'être physiologique, biologique, nous sommes des êtres énergétiques. Et l'énergie, eh bien, ça vibre, ça ondule. Donc, l'énergie, ça vibre sur une certaine fréquence vibratoire. Et les sons que je vous propose dans le Qigong ou dans le yoga parfois, eh bien, ce sont des sons qui vont venir réaccorder notre instrument de musique, c'est-à-dire nos organes, qui vont venir stimuler certains organes plus que l'autre pour les faire vibrer sur une belle fréquence vibratoire. Tout cela a un effet très important sur le cerveau, notamment sur le nerf vague, sur tout le système le système neurosympathique, parasympathique, pardon, tout le système parasympathique, et donc amène une grande détente en même temps qu'une meilleure circulation énergétique, puisque c'est associé au mouvement, et donc peu à peu des vibrations de plus en plus élevées qui vibrent dans notre corps et qui travaille aussi sur les hormones de la joie, donc qui amène plus de bien-être, plus de détente, plus de capacité à être heureux. Et comme on est en été, eh bien en été, c'est la saison du cœur. Tout ce que nous allons faire dans cette pratique est bien associé au cœur et à la joie de l'été, au mouvement, à la danse. Donc on y va, c'est parti. Les pieds parallèles, largeur juste de votre bassin. Vous vous rappelez simplement que vous êtes bien ancrée et portée par la terre. Et à chacune de vos inspirations, vous vous rappelez que vous êtes étirée vers le ciel, tout le corps s'étire vers le haut, le poids du corps est légèrement vers l'avant sur les orteils. À chaque expire, on revient à cette terre qui nous porte, nous supporte pendant toute notre vie et nous nourrit aussi. Et nous allons commencer par nourrir les trois dantian, les trois centres énergétiques principaux du Qigong. Inspire, on monte un peu les bras, on ramasse avec nos mains comme si c'était des grandes cuillères le ki de l'univers, l'énergie vitale, et on pousse vers le dantian inférieur. Nous ferons le son O. Inspirez. Bien les mouvements quand on chante, car du coup le mouvement est plus lent, c'est normal. Encore. Jusqu'au niveau du dantian moyen, on ramasse le ki et on pousse l'énergie vitale vers le dantian moyen, c'est-à-dire vers le cœur. En fin d'expire, on harmonise les deux centres énergétiques. Nous ferons le son A. Inspirez. Supérieur au niveau du troisième œil, on ramasse le ki de l'univers et on va le pousser vers l'espace entre les sourcils, légèrement au milieu du presque au milieu du front, et à la fin de l'expire, on harmonisera les trois centres. Et donc là, nous allons faire le son i, choui. Comme ça, on va bien écarter les lèvres, ça sera anti-ride. Le son choui. Inspirez.
Ramasser le ki de la terre, faites-le monter jusque dans le dantien moyen et à l'expire, symboliquement, vous poussez le ki usagé, les vibrations, les énergies usagées vers la terre. Elles sortent par le premier point du rein. La deuxième posture, nous ferons le son ou en faisant un beau O avec la bouche, avec les lèvres. On s'enracine dans le pied gauche. On va. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous poserez simplement le pied ou le bout de pied devant. Si vous le pouvez, on va monter les ailes, monter le genou, bien s'étirer vers le ciel, ouvrir la hanche à droite, poser le talon, puis le pied, on casse les poignets, on s'assoit dans le bassin, on ne se penche pas vers l'avant, on reste bien assis dans le bassin et on descend les ailes. Donc ce sera le son ou, on va remonter. Bien s'étirer, reposer le pied en regardant l'écartement et à nouveau on fera le son ou. Pareil de l'autre côté, on démarre tout de suite avec le son, on monte le pied gauche, le genou gauche, inspirez, on ouvre la hanche, on pose, on s'assoit bien dans le bassin. On ramène le genou vers la poitrine et on replace le pied. Ceinture d'émail avec le son chu, le son du foie. Inspirez, on ramasse le ki derrière, on monte les bras devant jusqu'au niveau des épaules. À l'expire, on tire l'énergie vers le nombril, puis on ouvre le méridien qui est le long de la taille, autour de la taille. On décollera les talons si on peut, on monte les bras devant, enfin sur le côté, pardon, puis devant. Et à l'expire, on pousse vers la terre. On va rajouter le son. Inspirez. Yeah.
prochaine posture, nous allons pousser à droite et à gauche. Et on va tirer aussi l'énergie avec le son A, OM. Pour le OM, vous finissez avec la bouche bien fermée pour bien faire le M, A, OM. Donc, on va soulever le talon et on ouvre la hanche. En même temps, on va ramener le dos des mains au creux des épaules. On fait un petit pas. On s'assoit bien dans le bassin, on plie la jambe avant, on ne se penche pas vers l'avant et on fera le son A, OM. On poignet plat, on tire l'énergie, on replace le pied, on soulève le talon gauche, on ouvre la hanche gauche et on va faire la même chose à gauche. Ensuite, on revient, on tire le ki, on ramène le pied et on poussera vers la terre avec le son. Inspirez à droite. Bien soulager le dos, nous allons lisser le corps, bien s'étirer vers le ciel. Puis à l'expire, doucement, on va s'enrouler, bien relâcher la tête, bien relâcher les épaules, les bras, étirer un peu le bas du dos de manière passive. À l'inspire, on déroulera en plaçant les paumes de main vers le ciel et en frôlant le corps en remontant. Pour cette pratique, nous allons faire le son rong, le son des reins. Expirez. On le fait avec le son. Inspirez. Pensez à bien, bien, bien vous étirer. Le dos. Encore une fois, là, en repoussant la terre. Encore.
Propose de refaire tout l'enchaînement une fois avec les sons. Nourrir les trois dan tiens. Inspirez. C'est le haut. Puis le A. Puis le choui. La grue avec le son ou. Inspirez. Ouvrir le méridien de ceinture d'émail avec le son chu. On prend l'énergie derrière. Poussez, tirez à droite et à gauche avec le son A OM. Inspirez, ramenez le dos des mains vers le creux des épaules. Posez le pied, pliez le genou. S'étirer avec le son rong. On refait tout depuis le début, une fois encore. Essayez d'avoir du plaisir. Ouvrir les trois dantiennes.
plutôt nourrir les trois dents tiennes. La grue déploie ses ailes avec le son OU. Ouvrir le méridien de ceinture des marais avec le son chu. Poussez, tirez à droite et à gauche avec le A Om. Inspirez. Tirez vers le ciel et la terre avec le son rong. On ferme l'enchaînement avec le choui, le A et le O dans un seul souffle. On inspire. Choui. Encore une fois. Choui.
dernière fois une douche d'énergie. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Accueillez les sensations dans vos mains, dans les doigts des mains et aussi dans tout votre corps. Peut-être que vous pouvez sentir les vibrations, vos cellules qui vibrent, peut-être pas, mais accueillez ce qui est présent sans rien chercher. Après cette pratique, il est bien de s'allonger quelques instants, juste 3 ou 4 minutes, parce que vous avez bien suroxygéné votre cerveau et la tête peut tourner un peu, c'est tout à fait normal. Juste vous relâchez. Écoutez-vous respirer sans changer la respiration telle qu'elle est, on l'accepte. Et à chaque expiration, on relâche. À chaque expire, on se détend, on se pose. Tout doucement, vous allez glisser les mains sous le creux lombaire, décoller la tête, vous asseoir. Et avant de vous relever, prenez aussi juste quelques instants pour ne pas provoquer de d'étourdissement. Chanter comme ça, ça a de nombreux bienfaits, mais ça peut au début vous faire un petit peu tourner la tête. Donc, prenez le temps de vous allonger quelques instants ou au moins de vous asseoir et ne vous relevez pas trop vite. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cela vous permettra de passer une très belle journée, pleine d'énergie, pleine de bonnes vibrations partout dans votre corps. Soyez très heureux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle pratique. Au revoir.